ADN. Voilà, c'est ça. Dans les gens génétiques, on a des parents qui sont Satan. Imaginez comment on va être trompé, parce qu'on destinait Satan comme un bonhomme avec le corps. Comme ça, ça fait que lorsqu'on t'a pas aidé à comprendre que Satan, c'est une compréhension qui est fausse par rapport à la compréhension vraie qui vient du Créateur. Quand tu comprendras les choses par Satan, tu penses par lui, tu désires par lui, puisqu'on t'a donné une autre idée de Satan, tu ne sauras pas que c'est lui qui te guide. Voyez. Donc par rapport à la notion du sang, il faut voir dans les écrits ce que le Créateur avait dit à son peuple, tu ne mangeras pas l'animal avec son sang. Là, il montre très très loin ça. Tu ne mangeras pas l'animal avec son sang. Bon, et parce qu'il lui dit que si tu manges l'animal avec son sang, tu as mangé l'animal. Imaginons, il dit, quiconque verse le sang d'un humain, le sang de l'humain lui sera demandé. Imaginez que tu manges un animal qui a versé le sang d'un humain. Tu associes ton sort à celui de cet animal. Tu t'associes au sort de cet animal. Oui, c'est comme si tu as versé le sang humain avec lui. Parce que la vie dans l'identité, on dit bien, c'est dans le sang, dans l'âme. C'était des images hein, que le Créateur utilisait. Donc, en mangeant l'animal, tu le vides de son sang. Ça veut dire que ce que tu manges, ce n'est pas l'animal. Tu manges la chair de l'animal. Ce qui revient à dire, vous voyez bien cette image. Tu le vides de son sang, ce que tu manges, c'est l'animal. Donc, c'est le sang, ce n'est pas l'animal. Donc, pour dire que l'identité de l'animal, c'est dans son sang, sa personnalité, c'est dans son sang, personnalité. C'est-à-dire le sang se réfère à la personnalité de l'individu, de la personnalité de l'individu. Oui, c'est ça. Donc, quand on dit le sang d'un individu, on parle de sa personnalité, son identité. Voilà, quand on dit que vous êtes sauvés par le sang du Messie, ça veut dire que le Messie, qui est la personnalité du Créateur, vient vous donner la personnalité du Créateur. Il vous donne l'identité du Créateur. Oui. Donc c'est pour ça que le Messie est envoyé sur la croix, parce qu'il prouve que nous avons une personnalité, un sang, une personnalité, un sang qui est impur, qui est contraire à celui de notre Père, du Créateur. Oui. Bien, nous avons une identité. Donc, ça veut dire que, d'ailleurs, très souvent, moi je me souviens quand on disait, il a un très mauvais sang. Cet homme-là, il a un très mauvais sang. Vous voyez bien. C'est-à-dire qu'il a une mauvaise identité. Une mauvaise personnalité, c'est ça. Donc ce sont des symboliques.
Donc, on dit sur la croix, le Messie, pour nous enseigner, il montrait clairement qu'on vous dit, lorsqu'il a été vérifié que tout son sang, tout le corps avait été vidé de son sang, il est rentré, il dit à son Père, je te remets mon esprit, pour nous amener à comprendre que nous ne pouvons pas porter l'identité de Satan et celle du Père. Le Messie est venu nous vider de l'identité de Satan pour nous donner l'identité du Père. C'est ça qui est question. Maintenant, ce même mot, quand tu ne sais pas ce que c'est que le sang, quelqu'un va te parler du sang, du sang, du sang, du sang. Quand tu n'y comprends rien, bon, pour toi, le sang, c'est ce qui, quand tu coupes là, c'est ce qui descend, ce qui coule. Pour toi, c'est ça le sang. C'est ça. C'est ça, c'est là tout le, toute la question du sang. Donc, le sang, c'est l'identité. Nous portons en nous une identité qui est celle de, d'un autre que le Créateur. La preuve en est que, vous voyez bien que cette identité que l'on porte, étant hors du Créateur, s'exprime par la manière dont nous comprenons les choses, par nos envies, par nos désirs, par nos passions. C'est une identité, mais est-ce qu'elle est celle du Créateur? Le Créateur ne peut pas nous amener à nous confondre à ce qu'on touche, ce qui pourrit à la poussière. Vous voyez, le Créateur peut-il s'identifier aux choses qui pourrissent? Non, c'est impossible. Mais derrière ça, il y a une compréhension. C'est cette compréhension qui est Satan. Satan, ce n'est pas un bonhomme avec le corps. C'est une intelligence, mais qui est fausse. Vous voyez, cette intelligence nous, ne nous aide pas à connaître qui nous sommes. Donc, le Créateur sait que nous sommes des esprits. Donc, comme esprit, notre identité, c'est celle du Créateur. Mais il y a cette compréhension qui vient nous faire comprendre que non, vous êtes chair. Derrière, c'est quoi? C'est ça qui est Satan. C'est cela. Voilà. Et puis, c'est derrière cette compréhension qu'il y a des jalousies. C'est ça, Satan. C'est derrière cette compréhension qu'il y a des convoitises. C'est cette compréhension qui est une identité. Elle vient de Satan. Si le Créateur nous donne la compréhension qui nous mène à lui, dans son caractère, dans le caractère ou l'identité du Créateur, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de haine. C'est aussi une compréhension, mais qui vient du Créateur. Oui, c'est cela. Donc, quand vous comprenez donc que Satan, c'est une compréhension qui est contraire à celle du Créateur, quand l'individu parle, vous pouvez savoir qui parle en lui. Le désir de l'individu, vous saurez de qui viennent ces désirs. Mais si on vous dit que Satan, c'est un bonhomme avec les cornes, quand, aussi longtemps que vous ne le voyez pas avec les cornes sur la tête, vous dites, moi, Satan ne m'habite pas. Pourtant, c'est par lui que vous parlez, c'est par lui que vous désirez, c'est par lui que vous comprenez. C'est là le problème. Oui, c'est ça. Et donc, on vous dit, je mets le sang sur les linteaux, je mets le sang sur ceci, je mets le sang, mais votre identité, c'est un sang impur, c'est-à-dire que vous êtes porteur même de l'identité de Satan. Donc, tout ça, on appelle ça de la tromperie, de la manipulation. On a utilisé les mots, comme vous ne comprenez pas le sens des mots, on vous a trompé, on vous a manipulé. Hein? Tu comprends ça? La question du sang, c'est cela. Comment dis-tu, je peux appeler ça des sectes, quand on parle à ce niveau-là du sacrifice de sang, c'est pour nous donner cette identité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de sacrifice, c'est là aussi. Donc, imaginez bien, on dit le sang, c'est l'identité, la personnalité. Bon, maintenant, l'esprit que nous avons en nous doit rentrer dans l'identité du Créateur, retourner au Créateur. Mais quand cet esprit-là, vous le sacrifiez aux éléments du monde, je dois proposer cet esprit, c'est-à-dire que vous avez tué cet esprit. Donc, ça veut dire que c'est le sang référent à l'identité, vous le sacrifiez à Satan. C'est-à-dire que derrière le sacrifice du sang, il y a une symbolique. Ça veut dire que quelqu'un dit, je consacre la vie dans l'esprit de cet individu à l'esprit qui est derrière, c'est-à-dire à Satan. C'est pas, vous voyez bien. Donc, on rentre dans ce culte-là, mais comme les gens pensent qu'on leur a trompé, que c'est versé le sang. Donc, ils se sacrifient eux-mêmes à Satan, ils sacrifient leurs enfants, ils disent, comme ils ne vont pas sacrifier dans l'autel, ils disent, ça concerne les autres. Mais pourtant, on est dans ces cultes-là. C'est ça, le mystère. Donc, c'est pour ça que pour ceux qui comprennent très bien, ils voient que toute la terre est dans la franc-maçonnerie sans le savoir. Toute la terre. Donc, il y en a qui sont conscients, il y en a qui ne sont pas conscients. C'est pas, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est cela. Donc le sang, c'est l'identité, c'est la personnalité. Le Créateur demande que nous lui sacrifions
l'esprit que nous lui consacrons, l'esprit que nous sommes, parce que c'est ça. Mais quand nous le consacrons, on lui a sacrifié ce que nous sommes. Tu avais une question, maman? Quand j'explique comme ça, je me revois, dans quelle situation se trouvait. Tuer la ferme, tuer les coqs, les chèvres, oui. Quand on est malade, quand bien on a sûr. Les blocages, quand on a les malédictions, tout ça, on verse le sang sur toi, par tu bois. C'est ça. Ce sont des, donc, derrière, ce sont des symboliques. C'est qu'en fait, imaginez bien, lorsque le Messie, pour nous enseigner, est sur la croix, on dit bien, lorsqu'il dit à son Père, je te donne mon esprit, c'est-à-dire je te le consacre. En d'autres termes, on pourrait dire l'esprit se référant à l'identité, je te consacre ce que je suis. Vous voyez bien, je te consacre ce que je suis. Donc, pour que il rentre dans cette dimension, parce qu'il est question de rentrer dans l'identité de son Père, mais il s'agit de nous. Hein. C'est-à-dire pour que nous puissions rentrer dans l'identité du Créateur, porter son caractère, il faut que nous acceptions délaisser notre identité. Donc en ce moment-là, on peut dire, j'ai sacrifié notre identité pour aller rentrer dans l'identité de mon Père. Tout à fait. Oui, c'est ça. Autrement, je peux faire l'inverse. C'est-à-dire, je sacrifie ma vie dans le Créateur. Voilà, donc je livre mon sang à Satan, c'est-à-dire mon identité, ma personnalité. Je le livre. Exactement. Ce n'est pas parce que je ne suis pas allé là où les gens ont le corps sur la terre avec le queue. Mais je suis dans le même culte. Je peux le faire dans un groupe en côté, dans un groupe prière. Je peux le faire en dehors du groupe prière. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, à travers l'orientation de l'éducation qui est dans le monde, nous sacrifions nous-mêmes volontairement et ce que nous sommes. Et nous la livrons nous-mêmes, hein. C'est ça le sacrifice, nous la livrons à celui qui est derrière le monde, c'est-à-dire Satan. C'est ça le sacrifice, c'est-à-dire sacrifice de sang, c'est ça. Sacrifier le sang, c'est sacrifier la personnalité, ce que je suis. Parce que si le sang qui coule dans notre corps, si notre corps est vidé de sang, est-ce que vous allez être là? Non. Donc en réalité, quand on dit sacrifier le sang, ça veut dire vous donner ce que vous êtes, l'esprit que vous êtes, vous le livrez, vous le consacrez, c'est ça. Mais le Créateur se sert des symboliques. Des symboliques. Il faut comprendre ce qui est derrière les symboliques. Donc le sang, c'est une symbolique. Maintenant, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, et l'autre élément étant que si je n'ai pas d'identité dans le Créateur, je n'ai pas d'identité dans Satan, je ne peux pas penser. Je ne peux pas penser. Je ne suis pas capable de penser. Je ne suis pas capable d'avoir des désirs. Donc, si j'ai des désirs, des pensées, ça veut dire que soit elles viennent du Créateur, soit elles viennent de Satan. Mais seulement, si mes désirs et mes pensées viennent du Créateur en moi, je ne peux pas manifester le caractère de Satan. Je ne peux pas avoir en moi des jalousies. Je ne peux pas avoir en moi des convoitises. Vous voyez bien, c'est ça. Donc, ces qualités-là montrent que l'identité que je porte en moi n'est pas celle du Créateur, c'est celle d'un autre. Donc c'est lui qui alimente mes désirs, donc mes prières, mes invocations, comme nous disons autrefois. Donc c'est ça. Imaginez lorsque le Créateur demande qu'on lui consacre, qu'on lui offre, soit une bête ou des produits de la première récolte, que vous le lui donnez en offrant. C'était sa propriété. Ça devenait ça. Parce qu'on allait le poser sur l'autel, c'est-à-dire dans la présence du Créateur. Donc, c'est lui qui avait touché à ces éléments. Étant en dehors de cette sphère-là, il était rendu coupable de mort. Une fois, il était frappé de mort. Donc, ce que vous offrez au Créateur, c'est sa propriété. Dans l'inverse, lorsque Satan amène que ce que nous sommes, nous le lui consacrons, ça devient sa propriété. Oui. Vous devenez sa propriété. Vous devenez comme son sanctuaire, son temple, c'est lui qui vient y établir sa demeure pour agir. C'est comme ça. C'est lui qui, ses corps deviennent son temple, il s'y établit. Pour ne pas aller le voir ailleurs, il est assis là, c'est là qu'il se fait invoquer lui-même. Pour ne pas aller le voir ailleurs. Donc c'est le même qui vient vous dire que Satan c'est un bonhomme avec le corps. Juste pour que vous ne disséliez pas que c'est par lui que vous fonctionnez, que vous comprenez.
Donc quand il vous amène à comprendre que la richesse et l'argent, par exemple, tout ce qui s'oppose à ce que vos passions se réalisent, vous dites c'est le diable. Pourtant, c'est même par lui que vous comprenez que la richesse est là. C'est pas, vous voyez bien la manipulation. Il y a une manipulation derrière. Voilà, encore, je voudrais aussi refléter ton caractère. Ah ben, bien entendu. C'est d'ailleurs qu'il faut bien voir que quand on dit la langue, hein, il y a ce que nous avons là. Bon, mais la langue, c'est le véhicule de l'esprit. C'est le véhicule de l'esprit, la langue. Or, l'esprit qui est en nous, lui-même, est la monture soit du Créateur ou des démons. Ce que vous voyez bien. Donc, les démons ont un pouvoir important. Plus l'esprit qui est en moi, un lien conscient très poussé avec ces esprits, ils sont capables de dégager ce qu'ils sont au travers de moi, par les paroles, qui peuvent faire des choses. Bon, mais maintenant, ce qui montre que la langue, c'est les démons, comme j'ai dit, le caractère de Satan n'est pas comparable à celui du Créateur. On va le voir s'exprimer. Mm-hmm. Voilà. Si mon esprit, ma langue est le véhicule de l'esprit en moi qui est connecté au Créateur, le pouvoir qui s'y dégage, ce n'est pas mon pouvoir, c'est celui du Créateur. Mais on va le savoir aussi dans le caractère du Créateur en moi. C'est cela. C'est-à-dire, je deviens une lumière pour un grand nombre. Ce n'est pas d'ailleurs moi-même qui confirme, qui dit, je suis habité du caractère, il va s'exprimer. Même les gens qui sont autour, ils témoignent que là, c'est vraiment. Donc, c'est ça. C'est pourquoi on dit l'esprit témoin de lui-même. Comment ? C'est pourquoi on dit l'esprit témoin de lui-même. Exactement. Quand on dit l'esprit, hein, c'est l'identité. On entre dans l'identité. L'esprit termine comme esprit. On rentre dans... Quand on dit l'esprit de Luc, on parle bien du caractère de Luc. Il a un esprit fort, il a un caractère fort. Ça s'exprime dans mon caractère, dans ma personnalité, c'est ça. Quand on dit le Créateur vous donne son esprit, ça vous donne, il vous donne son caractère. Il vous donne une portion de ses qualités, c'est ça qui s'exprime en vous. C'est ça quand on parle d'esprit. Encore une fois, ce sont des termes qu'on a utilisés pour tromper les gens. On dit esprit, esprit. Comme tu ne sais pas ce que c'est qu'esprit, comme tu ne sais pas que l'esprit c'est le caractère, quand tu vas manifester le caractère de Satan, ben, tu vas dire, j'ai l'esprit de Dieu. Comme tu ne sais pas que l'esprit de Dieu, c'est le caractère du Créateur, tu es dans l'incapacité de comprendre que le caractère qui est en toi, c'est celui de Satan. Donc c'est l'esprit de Satan, donc tu es possédé, donc tu es habité. Si je me réfère au cas de Job, qui avait toute cette richesse, qui avait quand même une semence d'Elohim en lui. Et après, il a vécu toutes ces persécutions. Et Elohim a voulu par là l'amener à une autre dimension, l'amener à le connaître vraiment. Parce qu'on pouvait le connaître comme on connaît, mais entrer dans sa profondeur, c'était après ces moments d'affliction. Et comment donc répertorier ça dans notre cas, par exemple moi? J'avais une activité où j'avais tout le temps des persécutions là-dedans, du moins ça n'allait pas. À ce moment-là, je ne sais pas si je peux traduire cela comme étant une autre conception de la vie que je devais avoir. Non, en fait, tout à l'heure quand j'arrivais, oui, c'est là que j'étais en train de parler du cas de Job, comme il souligne bien. Job était un prophète. C'est-à-dire qu'à travers Job, ce que le Créateur nous montre, c'est le chemin réel dans lequel le Messie, comme la force que le Créateur communique à l'esprit humain, le chemin dans lequel il vient conduire tout disciple réel. Oui, mais tout disciple réel, c'est-à-dire que tout esprit humain qui est appelé à avoir, pour, à être appelé fils du Créateur, c'est-à-dire à porter l'identité du Créateur, le caractère du Créateur. C'est ce que la vie de Job nous montre. Or, à travers la vie de Job, nous voyons que le Messie vient marcher dans cette voie. C'est-à-dire c'est l'accomplissement même de la vie du Messie. C'est dans cette voie que le Messie vient. Maintenant, si les événements extérieurs qui nous accompagnent au quotidien, si ces événements sont les mêmes, par exemple, que
qui ont accompagné Job, ce qui va le faire voir, c'est que chaque effet que ces événements auront dans notre construction, c'est de nous amener de gloire en gloire dans la personnalité du Créateur. Je ne sais pas comment c'est que je dis. Hein? C'est-à-dire que les événements, par exemple, vous voyez bien ici, qui nous aident à comprendre la vie de Job, ou quand on rentre dans l'expérience de Job, c'est que Job, il va être touché sur tous les plans, dans la dimension extérieure, au niveau de ses enfants, au niveau de ce qu'il possédait dans l'extérieur. Mais ce qu'on va se remarquer, c'est que plus il est touché à l'extérieur, plus son esprit s'élève vers le Créateur. Oui, c'est ça le problème. Donc Job, on peut dire, il parle de l'état de méchanceté à l'état de bonté extrême. C'est-à-dire que c'est ce que nous appelons difficultés extérieures ne vont pas rendre Job amer, ne vont pas construire en lui le caractère de Satan, mais ça va plutôt détruire en lui le caractère de Satan. Pour les livrer vers le Créateur, c'est bon, vous voyez bien. C'est pour ça qu'au terme de tout ça, il va dire, longtemps avant ces événements, j'avais entendu parler de lui, mais maintenant, mon œil l'a vu. Ça veut dire que maintenant, son identité est en moi. Je suis un avec lui. Vous voyez. Donc, imaginons que c'est la même chose pour le Messie. C'est-à-dire, on voit bien que les Écritures disent que lui qui n'a pas connu de faute, lui qui n'a pas été guidé par une mauvaise compréhension, mais il a plu à son père de le construire par les événements au quotidien. Les événements que les autres regardaient comme un châtiment du Créateur sur le Messie, ça émivait plutôt le Messie en forme vers la gloire. Bon, maintenant, si les événements qui m'accompagnent au quotidien viennent plutôt me rendre amer, contre moi le caractère de Satan, ça veut dire que la compréhension que j'ai ne vient pas du Créateur, elle vient. C'est bon. C'est ça l'inverse. Totalement l'inverse. C'est-à-dire que si les événements que je traverse viennent du Créateur, ces événements vont, même si elles trouvent que je suis au niveau, je suis un serpent, ces événements vont faire de moi un ange au final. Parce que c'est ça le but de ces événements. Vous voyez ce que je dis? Donc finalement, si j'ai, entre guillemets, tout perdu au niveau extérieur, j'ai tout gagné au niveau de l'esprit. Je suis rentré dans la vie. C'est ça le but. Mais si, c'est là où nous devons écouter. Si les événements viennent, on trouve que nous étions au degré de méchanceté 1. Plus nous traversons les événements, nous allons au degré de méchanceté 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que nous ne sommes pas sur la même voie que Job. Pas sur la même voie que le Messie. Le Messie. C'est ça. Parce que le but des événements, ce qu'on appelle la croix, c'est de détruire Satan en nous, ce n'est pas de construire Satan en nous. Donc le but de la croix, c'est de détruire Satan en nous, c'est-à-dire le caractère de Satan, le sang de Satan, cette identité de Satan qui s'est construite, et de construire en nous l'identité du Père. Mais si les événements viennent renforcer l'identité, le sang impur en nous, ça veut dire que nous ne sommes pas sur le chemin du Messie. Nous sommes sur une autre voie. Voilà. C'est-à-dire que je passe par les événements, à partir de ce que j'ai perdu à l'extérieur, j'ai dit, mais je suis pauvre, mais quel Dieu je sais, mais quel... Vous voyez, ça veut dire que je ne suis pas sur le chemin du Messie. Je suis sur un autre chemin. Voilà. Comment ? Très clair. Oui, oui. Moi, je me souviens que quand j'étais encore très jeune, je sentais vraiment que j'étais habité d'une rancune terrible. En fait, il se passait que, souvent c'est un témoignage, parce que j'ai vécu dans un environnement où mon père était regardé comme pauvre, c'est-à-dire ne possédant pas les éléments extérieurs. Bon, à cause de cela, il était écrasé par ses cousins qui étaient autour de lui. C'est-à-dire, quand vous vivez ces choses, vous êtes tout petit, vous réalisez votre impuissance. Vous voyez bien, votre impuissance, vous voyez votre père, comment il est écrasé, comment il est étouffé par ceux qui croient être puissants par les éléments extérieurs. Donc, ça construit en vous une rage de vengeance. Une rage de vengeance terrible. C'est-à-dire que je commençais à chercher dans mon esprit comment je peux faire pour venger mon père. C'était comme ça. Comment, des fois, j'ai passé toute une nuit à pleurer, tout seul. J'ai dit comment je peux faire. Parce que je pensais que le venger, c'est, il fallait que je devienne quelqu'un de bien, voilà, socialement. C'est comme ça que je comprenais les choses. Donc, au fil des temps, ça a construit en moi une rage terrible, une vengeance terrible. Mais lorsque le Créateur a commencé à me faire trouver, je me suis rendu compte que ça détruisait plutôt cette rage, cette vengeance, cette, voyez, progressivement jusqu'à ce que totalement je sorte de ce mauvais sens, cette mauvaise personnalité. C'est ce qui montre qu'on est vraiment sur le chemin. Donc,
Ça ne renforce pas plutôt en nous que la rancune, la vengeance, la haine, et c'est plus. Donc c'est ça. Donc très souvent quand les gens disent que je suis sur le chemin de Job, non. C'est-à-dire que, parce que quand vous le voyez très 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 bien, Job, justement parce que le Créateur avait vu sa sincérité, il venait détruire en Job tout ce qui était de Satan. En fait, c'est là où c'est prophétique, c'est ça le chemin. Job nous montre le vrai chemin de la croix. Parce que sur la croix, le Messie vient détruire Satan en nous pour construire le règne du Créateur. Pour construire l'identité de notre Père. Le frère François disait, comme il est plus à l'âge, on a plus besoin de Satan que de l'argent. Bien sûr. On a, bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. On a plus besoin de Satan. On a plus besoin de Satan. On n'a pas. Parce que vous verrez qu'il y a ces deux chemins dans le monde. C'est-à-dire que ceux qui sont sur les traces du Messie, quel que soit le degré des preuves auxquelles ils sont exposés au niveau intérieur, ils vont plus que du mal en bonté. Parce qu'ils rentrent dans l'identité de la terre. Mais ceux qui sont sur la trajectoire guidée par Satan, ils vont plutôt, même s'il y avait en eux, j'ai dit une petite substance. Ils vont plutôt devenir de plus en plus méchants. Méchants. Plus, de plus en plus courroucés, déprimés. Ça montre que vous n'êtes pas sur le chemin, déjà. Le langage, ça ne se fait que par l'écoute. Donc ça fait que quand vous communiquez quelqu'un qui n'est pas de votre sphère, il peut arriver que dans son... Dans sa sphère, il utilise les mêmes mots, mais il va les comprendre non pas selon votre sphère, mais selon sa sphère. Donc il ne vous aura absolument pas compris. J'ai dit, même entre nous, nous ne communiquons pas que par les codes. Mais les gars, ce sont des codes. Le comportement, c'est des codes. C'est pour ça que nous avons souvent le risque d'interpréter mal l'autre. Quand vous me regardez, quelqu'un vous le dit, pourquoi tu me regardes? Ça veut dire que derrière son regard, il y a un message, mais vous pouvez mal l'interpréter. On ne communique pas les codes. C'est pour ça que le langage de sang, le langage de l'esprit, ce sont des codes. Maintenant, il faut aller dans la sphère de celui qui parle pour comprendre qu'est-ce qu'il entend par sang. Qu'est-ce qu'il entend par esprit, c'est ça. Sinon, tu vas le comprendre selon ta foi, mais tu n'as rien compris. Communique par l'écoute. Je vais avoir réalisé que la connaissance qu'on avait avant de lui était vraiment erronée. Oui, complètement. Bien sûr. Parce que là, c'est comme on enseigne maintenant, c'est une autre vision. C'est comme ça. C'est là où tu vois que tu étais, comment on dit, l'homme, l'œuvre de connaissance. Mais c'est ça qui a enfoncé le pays. C'est ça qui a enfoncé la nation. C'est cette ignorance-là. Parce que nous, dans nos nations, on ne connaît ni le Créateur ni Satan. Oui, on ne connaît ni le Créateur ni Satan. C'est-à-dire Satan même vous-même sans que vous le connaissiez. Bon, n'en parlons plus du Créateur. Donc on est là comme des étourdis. Parce que sous d'autres choses, moi, certains connaissent vraiment Satan. Même s'ils sont hors du Créateur, ils connaissent Satan, ils savent qu'ils servent, vous voyez. Donc, eux, ils paraissent vraiment comme des grands intelligents, parce qu'eux, ils connaissent Satan. Mais dans d'autres, sous d'autres cieux, comme nous, dans nos nations, les gens ne connaissent ni Satan ni le Créateur. Là, je rends grâce à Dieu que là, tous les jours, parce que quand j'ai voyagé, j'étais à Douala, il y a ma soeur qui est malade. Et quand je suis arrivée, elle me dit que tu ne connais pas le camp prophète de Tisha. Bon, comme je le connais, elle dit que oui, il était une à Yaoundé. Elle me dit que non, on est allé là-bas, on a passé du bon temps et tout, et fait des miracles et tout. Et tout. Je dis, ah, ma soeur, ces choses-là. Tu devrais entrer dans la profondeur. Ouais. Parce que ça, il appelle ça pour un miracle, mais quand même tu es capable de faire ce qu'il fait, contre ce qu'il fait. Hein? Et puis, quand tu vas vers lui, il te fait le miracle. Quel esprit l'anime quand il te fait ça, il te touche ou bien il te parle. Il est animé de quel esprit? C'est vrai, tu es malade, tu as besoin de la guérison.
disant, mais rapproche-toi de ton père, prie à lui, parce que c'est sa parole en toi qui va te guérir. C'est sa parole en toi qui va te guérir, ce n'est pas les miracles. Tu pars vers lui, il va plutôt encore te donner les autres esprits qui vont encore rendre ton état plus pire, pire qu'avant. Vous savez, par exemple, le terme que tout le monde utilise, la parole. La parole. Encore un code mystérieux. On dit la parole. La parole. C'est-à-dire que quand le Créateur dit à son alors, je te donne ma parole. Mais sa parole, c'est son identité. C'est son caractère. Je te donne mon caractère. Okay. Je te donne mes attributs. Comme héritage, c'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu est esprit. Et l'esprit, ce sont le caractère du Créateur qu'il te donne. C'est pour ça qu'on dit le Messie est la parole du Créateur fait chair, c'est-à-dire le caractère du Créateur fait chair, rendu visible. Mais Satan aussi a une parole, c'est-à-dire le caractère. Lui aussi te donne son caractère. Il te donne aussi sa personnalité. Vous voyez bien? Donc ce sont des termes comme ça, quand on dit parole, quand les gens ne savent pas ce que c'est que la parole, quand ils sont habités de la parole de Satan, dans les caractères de Satan, il dit la parole de Dieu. Mais la parole, c'est le caractère. Parce que là, vous êtes. Quand on parle de vous, quand vous, on parle de votre parole, on parle de ce qui est votre identité. Vous pouvez la révéler par les mots, par le comportement, par le regard, vous révélez ce que vous êtes. Vous voyez bien? Si vous donnez à quelqu'un votre parole, c'est-à-dire votre identité, la personne devient ce que vous êtes. C'est cela. Donc la parole du Créateur, c'est son caractère, c'est sa personnalité qu'elle vous donne. C'est ça la parole. Elle n'a rien à voir avec les signes. Rien à voir. C'est ce qu'il est. Quand le Créateur vous donne son caractère, vous comprenez son langage à travers tous les événements. C'est tout. C'est ça la parole. Maintenant, quand les gens ne savent pas ce que c'est que la parole, ben, ils vont appeler n'importe quoi la parole. N'importe quoi. C'est ça. Voilà. Donc, pour que Satan nous gouverne, il a fallu que nous soyons ignorants. Donc, il faut nous garder dans l'ignorance pour qu'il gouverne. Parce que si vous devenez intelligent, vous rentrez dans la terre, mais il ne peut plus gouverner. Donc, dans le fond, même ceux qui gouvernent le monde, si vous devenez intelligent, c'est tout, vous sortez du pouvoir. Donc, pour pouvoir gouverner, il faut vous garder dans l'ignorance. Que ce soit eux qui se servent le mot pour vous tromper. Il dit, mon parole, c'est quoi? Il te trompe. Le sang, c'est quoi? Il te trompe. Le salut, c'est quoi? Il te trompe. Quand on parle du salut, on dit le salut est le Créateur, l'Éternel, le salut. C'est-à-dire le salut pour nos esprits, c'est que le Créateur te donne son identité, sa personnalité. C'est-à-dire, il te met à l'abri de tout danger. C'est ça le salut. C'est comme ça. Donc Satan, si vous voulez, c'est une parole, une personnalité, une identité que nous aussi confère. Donc de telle manière que quand vous êtes porteur d'une identité dont la parole Satan, quand vous allez même dans la Bible, c'est lui qui vous donne sa parole, qui vous parle. C'est lui. Et ce sont ce même Satan à travers ses serviteurs qui ont dit à toute la terre, tous les gens ignorants de la terre, que la Bible c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un va réciter les versets qu'il comprend par Satan, c'est la parole. Parce que personne ne sait ce que c'est que la parole. Mais la parole du Créateur, c'est. Il dit bien, c'est son identité. Vous ne pouvez pas être la parole. C'est-à-dire, le caractère du Créateur a été dominé par le Créateur. Le Messie, c'est la parole du Créateur fait chair. Donc, le caractère du Créateur rend visible. On ne peut donc pas être et la parole de Dieu et la parole de Satan, c'est-à-dire et le caractère de Satan et le caractère du Créateur. Vous voyez bien, est-ce qu'on peut être les deux? Non. Je ne peux pas être Jean et André. Non, ce n'est pas possible, même au niveau humain. Nina ne peut pas être Nina et puis en même temps Marie.
pour ça que l'identité, ce n'est pas au niveau des papiers. Tu peux porter un papier, le passeport camerounais et le passeport français. Tu peux m'en porter 10. Et le passeport américain et le reste. Vous voyez, mais au-dedans de toi, tu ne peux pas avoir 4 identités. Tu ne peux même pas en avoir 2. Tu n'as qu'une seule. Soit celle de Satan ou celle du Créateur. Tu ne peux pas porter les deux. En moi, il n'y a que le mal. Il n'y a rien de bien en moi. Dis non. Moi, je pense que y a même si le bien en moi est petit, il y a le bien. Peut-être que le mal est gros. Et c'est pas. Non. Le bien et le mal ne peuvent pas cohabiter. Le bien et le mal. Parce que ce sont deux identités opposées. Le bien, c'est le Créateur, c'est son identité. Le mal, c'est ça. On ne peut pas donc avoir en nous une partie de Dieu, une partie de l'autre. C'est pour ça que lorsque le Créateur nous trouve dans le mal, quand il vient, c'est pour effacer notre identité. Ouais, il faut le vider du mauvais sang. C'est ça la maladie. Oui, vide du mauvais sang. C'est ça qui te permet aussi que tu vois tout ce qui a été battu, ils sont acceptés. Ouais. Et l'attraction de c'est la convoitise encore. C'est comme ça. C'est lorsque le Créateur rentre dans sa maison qui est notre esprit qu'il commence à l'éclairer. Hein. C'est là où tu découvres vraiment ce qui tu es. Ouais, c'est comme une maison qui est dans les ténèbres. Il y a un serpent qui est caché là. Il y a un opaque qui est là, il y a un loup qui est là, mais comme tout est dans l'occulté, tu vas tout confondre. Quand si on met la lumière, tu vas commencer à voir tout. Il faut tout le sortir dehors, il faut le mettre. Mais c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. Parce que quand tu vas l'autre, tu vois encore quelqu'un convoitise, encore poussé. Oui. Tu sais pas, donc tu vois que le patiné, tu te réveilles, tu vois que tu admis quelque chose encore de plus que tu admirais. En fait, le regard que tu n'avais pas sur cette chose, c'est pas que tu aimes encore ça plus. Oui, mais en fait, c'est que tu veux dire que normalement, quand la lumière nous influence de l'extérieur, qu'elle n'est pas encore à l'intérieur, parce que tu prends la lumière comme le Créateur, c'est la force du Créateur. C'est vraiment l'intelligence aussi. Quand il arrive que réellement il commence à toucher notre esprit à l'intérieur, c'est-à-dire c'est par lui que tu commences à voir. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, tu découvres clairement que derrière la convoitise, c'était le mensonge. C'est ça. Donc tu ne peux plus être traîné par la convoitise parce que tu discernes la manipulation qui est derrière, puisque ce n'est plus toi qui vois, mais c'est ton père. Donc il commence à t'entraîner vers le vrai. C'est ça, c'est ça. Voilà. On parlait de nettoyage de la maison tout à l'heure, quand la lumière vient, on constate donc qu'il avait le léopard. Oui, vous ne pas à c'est dans le même cadre où le Messie est venu chasser les. Oui, c'est exactement ça. Dans la maison que nous sommes, c'est-à-dire il y a une dimension de notre maison, mais il y a une dimension aussi de l'espace, c'est-à-dire cet univers où que Satan est venu s'habiller totalement. Ça part. Comme nous sommes aussi structurés comme l'univers, il s'agit vraiment de nous. Exactement. C'est là qu'il vient détruire. Il faut nettoyer. Parce que s'il n'y a pas ce nettoyage, c'est ce nettoyage qu'on appelle crucifixion hein, ou sanctification. C'est-à-dire crucifixion de Satan en nous. Ça veut dire qu'il faut le déloger. Parce que le Créateur s'établissant en nous, c'est la force suprême. C'est-à-dire Satan est réduit à l'impuissance totale. C'est ça. Voilà, jusqu'à ce que ce soit lui simplement qui s'exprime. Donc tant que je suis encore guidé par la convoitise, ça veut dire que c'est l'autre qui continue à mener. Exactement. À mener le peloton, à mener la voiture, à conduire la voiture que je suis. Quand tu n'es plus guidé, quand tu n'es plus guidé par la convoitise, ça veut dire que c'est le Créateur qui a pris le contrôle. C'est-à-dire que tu t'identifies à lui, ou lui en toi s'identifie. Parce que la subtilité, c'est que c'est Satan, quand il vient se construire en nous, c'est en nous, en lui-même, à l'extérieur, qui parle à lui-même dans l'homme. C'est ce qui se fait. C'est que quand tu dis je, c'est lui qui dit je. Mais c'est je se le faire à lui. Vous voyez bien.
Donc ça fait que comme il est assis en nous, il est à l'extérieur, derrière les éléments de la convoitise. C'est lui-même à l'extérieur qui parle à lui-même à l'intérieur. Donc la convoitise qui m'oriente vers les éléments que je vois, ce n'est pas vers ces éléments. Derrière ces éléments, il y a le même esprit qui est assis en moi. Donc c'est lui-même qui s'attire. C'est ça. Voilà, comme l'image de l'aimant. Bon, mais regarde donc que maintenant c'est le Créateur qui vient s'établir. Satan à l'intérieur ne peut pas parler. C'est là où on rentre à la fin de la convoitise. C'est pas vrai. Parce que celui qui est assis en toi ne se reconnaît plus. Ah, c'est lui qui est assis dehors. C'est pour ça que le Messie disait, le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien pour m'attirer. Donc imagine que c'est le Père maintenant qui est assis en toi. Qu'est-ce que Satan a attiré au Créateur? Non. Donc c'est lui-même Satan dans l'homme qui s'attire lui-même à l'extérieur. Donc les caractéristiques qui montent telles que jalousie, haine, c'est pas l'homme, hein, ce sont les caractères de deux mondes. Ce sont les caractéristiques de Satan. Donc personne posait la question hier, est-ce que par nous-mêmes d'hommes, est-ce que par nos propres forces, nous pouvons sortir de ça? Je lui dis que, puisque nous le vivons, par la force de Satan, ce n'est pas par notre force que nous le vivons, c'est par la force de Satan. Il faut la force du Créateur pour pouvoir sortir de là. Parce que même la haine, convoitise, méfisance, ce n'est pas notre force, c'est la force de Satan, c'est l'esprit de Satan qui se déploie comme ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'on le fait avec beaucoup de zèle, beaucoup d'onction, beaucoup de... Vous voyez clairement que ce n'est pas la force de l'homme, c'est la force de Satan. Maintenant, pour en être défait, il faut que ce soit aussi par la force du Créateur que je puisse sortir de ça. Mais à ce moment, quand on prend conscience de ces enseignements qui viennent nous éclairer. Oui, ces enseignements, hein, c'est-à-dire quand les enseignements sont bons, mais ils viennent nous éclairer sur notre état. Donc derrière les enseignements, ce que le Père vous communique, c'est son identité, on dit son esprit. Il communique à l'esprit qui est à l'intérieur de notre esprit pour le réveiller. Donc quand il vient, c'est pour lui donner les ressources nécessaires. On dit qu'il te donne l'esprit, parce qu'en réalité l'esprit, ce sont des qualités exceptionnelles qui relèvent du Créateur, qu'il te confère, qui te permettent de comprendre, d'analyser, de mieux comprendre la situation qui est sortie. Moi je suis un humain. Vous voyez bien. Et après il dit, mais je suis à moi.